Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 30 mars. Très heureuse de vous retrouver. On prend tout de suite la direction de la France avec ces images de chute de neige en ce début de printemps. Nous sommes en Savoie à 1200 mètres d'altitude. Il a beaucoup neigé ces dernières 24 heures. C'est la tempête Nelson qui a porté des vents très violents sur le nord-ouest de la France et de la neige en altitude, vous le voyez, jusqu'à 30-40 cm de poudreuse. La bonne nouvelle, c'est le retour à des conditions très ensoleillées en montagne, dans les Alpes pour ces prochains jours avec malheureusement toujours des conditions très agitées sur le nord-ouest du continent jusqu'à la péninsule ibérique et jusqu'au Maghreb. Beaucoup de pluie alors que l'été, voire même carrément, des températures estivales s'installent sur le sud de l'Italie en allant notamment vers les Balkans jusqu'à 25, voire localement jusqu'à 30 degrés. Dans le détail sur les îles britanniques, évidemment c'est un temps bien plus tempéré avec régulièrement des précipitations jusqu'à 13 degrés à Londres sous quelques belles éclaircies, mais des averses aussi. C'est un petit peu le même scénario sur la Belgique, souvent des nuages, quelques timides éclaircies aussi des averses pour ce long week-end de Pâques. Ce sera assez instable. En ce qui concerne la France, là aussi, une perturbation qui circule, vous le voyez, de la façade atlantique jusqu'au nord-est avec régulièrement des précipitations, températures globalement assez douces. La pluie qui s'invite aussi sur le sud-est de la France ou encore du côté d'Ajaccio avec quelques averses. On retrouve des conditions bien plus agréables sur le sud de l'Allemagne. Beaucoup de douceur, 22 degrés localement, 23 notamment du côté de Berlin, avec un plein soleil pour cette journée de samedi. C'est un petit peu plus instable, notamment en allant vers la Scandinavie, mais globalement, là aussi, les conditions sont assez douces. Ce sera aussi le cas sur l'Europe centrale. Et puis, je vous le disais, l'été qui s'est installé carrément autour des Balkans avec des pointes qui pourraient dépasser la barre des 25 degrés en descendant vers l'Albanie, la Macédoine, la Grèce également. Conditions météo très, très ensoleillées. C'est un petit peu plus tempéré sur la Turquie, mais là aussi, enfin, les conditions s'améliorent avec le retour du soleil. On retrouve de très belles conditions, mais avec des remontées de sable du Sahara sur l'Italie jusqu'à 26 degrés localement, notamment du côté de la Sicile. C'est plus instable dans la partie nord et puis toujours des conditions météo très agitées, froides, avec une goutte froide notamment sur la péninsule ibérique qui déstabilise la masse d'air, pas mal de précipitations qui débordent aussi sur les côtes marocaines avec des vents jusqu'à 90 km par heure sur le Maroc et pas mal de pluie. On prend la direction de Los Angeles où là aussi une dépression installée du côté, vous le voyez, du Pacifique. Elle est très creuse, elle va rentrer du côté de la Californie, apporter beaucoup de pluie sur la Californie, Los Angeles, jusqu'à 60 litres d'eau par mètre carré. Merci à tous.